Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, il est... Oui, quel jour en fait? Moi je suis perdu. Nous sommes le 26 juin, il est 19h37. Aïe, et je viens d'écraser un jouet de ma fille, elle a foutu un bordel monstre. Du coup, elle m'appelle justement pour je ne sais quoi, mais elle a vraiment foutu un bordel monstre, je vais vous montrer. C'est l'anarchie, c'est le chaos dans la chambre. Elle a pris le téléphone secondaire que je me pour les musiques. Alors attendez, regardez. L'apéro. Alors regardez. Regardez le souk. Regardez ce qu'elle a foutu comme bordel. Elle a tout déversé. Alors là, on est dans ton antre, c'est ça? Alors tu prépares quoi de beau là? Oh, c'est mignon, c'est gentil. Mais oui, ben je dois le rapporter où celui-là? D'accord. Oula, j'ai plus de main, du coup là j'essaye de faire. Attends, je vais le reprendre, t'inquiète. Donc voilà, elle est en train de me préparer un goûter ou un apéro, là je sais pas trop quoi. Mais du coup, je dois mettre ici, je dois les mettre là. Mais en fait, elle a fait de la peinture aujourd'hui. Mais sinon, voilà, il y a d'autres trucs, hein, regardez. Elle en a mis partout. Quand je vous dis qu'elle en a mis partout aujourd'hui, c'est la foire à la zosise. Elle en a mis partout. Elle a fait des beaux dessins. Moi, je trouve que c'est des beaux dessins. Donc voilà, en fait, elle a fait de la peinture. Bon, là, c'est sur une petite feuille. C'est abstrait. Bon, ça, c'est moi qui l'ai accompagnée dans des traits, machin. Mais sinon, elle a fait un petit dessin derrière. Elle a fait celui-ci. Attends, j'arrive pour l'apéro, je montre tes dessins. Donc là, elle a fait d'autres dessins. Là, je vous les montre, hein, petit à petit. Donc elle a peinture à l'eau, hein, évidemment. Là, on dirait un bonhomme, là, je trouve. Je sais pas, on dirait un bonhomme. Qui fume une pipe ou je sais pas quoi, mais on dirait un bonhomme. C'est assez comique. Oui, c'est ce que je vois. Voilà ces petits dessins. Ben, elle rentre à l'école en septembre, hein, du coup, là on lui fait, c'était ses premières peintures, enfin qu'elle a fait, elle avait fait celle-ci en première peinture il y a une semaine à peu près. Ouais, attends, j'arrive, je montre tes dessins collector. Et puis il y avait celui-là. Celui-là. Alors je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire en noir, là, le truc. Et voilà. Donc elle a fait des beaux petits dessins de peinture. Et elle adore ça. Elle adore ça. Ouais? L'apéro et le goûter? Ok. Ça marche. Bon enfin voilà, je voulais vous faire une petite vidéo. Donc là je vais mettre en charge le téléphone où je mets la musique pour la bercer. Elle va dire que ça tout le long de la vidéo. Et donc c'était pour vous annoncer qu'à défaut de voiturologue. Parce que, comme je l'ai dit, je m'en sers. Enfin, je conduis très rarement, en fait. Et je vais pas utiliser la voiture, justement, juste pour faire un tour de cité, pour blablater, vous voyez. Alors, je prépare comme ça des petits sujets que je mets sur mon calepin dans le téléphone. Et comme ça, après, bah, quand je suis en voiture tout seul et tout, bah, que j'y pense, hop, je fais un petit voiturologue avec ça. Du coup, pour ceux qui voudraient se demander, bah, j'utilise ça, cette GoPro-là, pour filmer, en fait. Le devant. Bon, c'est une petite GoPro à 60 euros. C'est pas de la grande qualité, mais voilà. Ouais, j'arrive à prendre l'apéro! C'est ça là? Mais c'est un apéro très léger. Il y a quoi? Une pomme de terre? Une meringue? Ouais. Et ensuite, il y a une poire. Bon, attention, tu vas la casser là. Ah oui. C'est qu'elle s'est assise sur le côté là et je crois qu'elle l'a pété. Va falloir faire attention. C'est là où on mange tous ses jouets. Elle a tout enlevé. C'est qui ça? C'est qui? C'est Olaf? Et il aime les gros câlins? Je m'appelle Olaf et j'aime les gros câlins. Oh, je t'aime Olaf. Attention, tu marches sur ton ustensile de cuisine. Regarde, il est tout pété.
Ah, Reine des Neiges, hein. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que je vais mettre maintenant, enfin je vais essayer de faire des vlogs journaliers. Alors c'est pas sûr que je le fasse tout le temps, parce qu'à force, au bout d'un moment, je pense qu'il va y avoir une certaine répétitivité. Mais du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça. Donc voilà, avec ma fille qui est là, ben là je sais pas ce qu'elle fait. Elle a bloqué. Enfin voilà, et comme ça, bah, à défaut d'avoir que des voitures log, je sais pas, tous les semaines ou tous les mois, parce que là j'en ai fait que deux, eh ben, je peux vous proposer ce genre de vidéo, parce qu'en fait j'ai encore remarqué que le jeu vidéo, de toute façon, ça n'intéresse guère plus personne. Même si je peux faire des vues sur certaines vidéos, il y a très peu de gens qui commentent, qui likent ou qui s'abonnent, donc du coup, ouais, je vais partir dans des... Ouais, j'arrive le prendre! Du coup, je vais partir sur des vidéos de ce type maintenant. Il y aura encore du gaming, je pense, mais... alors, si je fais du gaming, je pense que je le ferai sur ma chaîne Twitch, que vous pouvez d'ailleurs vous abonner, qui est en bas en description. Et comme ça, je remettrai, bah, les rediffs. Mais c'est clair que... En fait, maintenant, le jeu, j'ai envie de le faire bah, pour moi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, je me suis privé beaucoup. Avec, attendez, faut que je remette un truc. Ah, avec, comment dire, les, à vouloir attendre pour faire un let's play, donc je pouvais pas tourner tout le temps. Du coup, j'attendais le bon moment et du coup, je sortais une vidéo. Mais au bout d'un moment, le jeu me lasse parce qu'en fait, un jeu que je pourrais faire comme ça tranquille dans mon coin, bah, je mets plus de temps à le faire sur YouTube. C'est tout à fait normal. Je sais pas ce qu'elle fait. Donc là, je l'ai mis en charge le téléphone. Enfin, voilà, donc n'hésitez pas, surtout pas à me dire ce que vous, si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Je commence donc le 27 juin à faire ce type-là, à partir d'une certaine heure jusqu'à certaines heures. Vous n'aurez pas tout de tout parce qu'il y a des choses où ça va être compliqué, mais voilà, on va un peu papoter. Et voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce type de vidéo, là, vous allez normalement avoir un vlog vacances qui est en préparation. Alors attendez, hop, je vais vous le montrer en teaser. Voilà, donc là, ici, vous avez le vlog qui est en rendu. Il reste, alors temps approximatif, il reste 57 minutes. Ça veut dire 1h13 qu'il est en rendu. Ça va être du 1920 fois 1080p en 59, enfin 60 images par seconde. Voilà. Et donc, c'est nos vacances 2020. Donc c'est nos vacances 2020 et j'ai mis du temps en fait à faire le montage parce qu'avec d'autres trucs à faire et tout, j'ai été... et puis là j'ai tracé sur du gaming en fait, bah, j'aurais peut-être pas dû. Et du coup j'ai perdu du temps, pas mal de temps vis-à-vis de ça en fait, vis-à-vis de ce montage parce qu'en fait là, donc c'est nos vacances en août 2020 dans un camping, ça va être sur toute la semaine en fait, donc ça fait 50 minutes environ en durée. Vous allez partager en fait nos moments qui vont être là. Nos moments, tout ça, nos peines, nos... enfin voilà. Et ensuite, en fait, dans cette vidéo, en fait, elle aurait pu être beaucoup plus longue, puisqu'il aurait pu avoir, normalement, il y a une balade en forêt, enfin dans des sentiers à côté du camping, qui dure à peu près 10-15 minutes, que j'aurais pu intégrer dedans, mais je me suis dit ça, je vais le couper, parce que sinon, ça va faire une vidéo trop longue. Donc ça va être à part. Et ensuite, il y a la maison forte de Régnac qui va apparaître aussi. Faudra que je fasse le montage. Je vais essayer de faire un truc propre. Du coup, c'est des vidéos où j'ai du retard dessus, qu'ils auraient pu sortir. Mais voilà, ils arrivent là, un an après, approximativement. Mais voilà, je voulais quand même vous les partager. De toute façon, voilà, ça fait partie de ma vie que j'ai entamée depuis 2019, hein, les premiers vlogs. Ouais, 2019. Donc franchement, j'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que vous allez apprécier donc ces nouveaux contenus qui vont arriver sur la chaîne. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont en préparation, mais pour l'instant, c'est compliqué de les faire parce qu'avec ma femme qui travaille et comme je m'occupe de ma fille, enfin, c'est un peu short. Vous voyez des vidéos comme les dégustations ou les tournages de Noob en cuisine, ça va être un peu short à faire. Va falloir que je mette toute une mise en place autour de ça. Donc on verra bien. Si j'arrive à m'en sortir à ce niveau-là. En tout cas, je l'espère. Vous allez aussi avoir un vlog retard hein, qui est de l'année dernière, qu'on a enlevé en fait toute la tapisserie marron, hein, ceux qui s'en souviennent dans les vlogs d'emménagement. Du coup, il va y avoir aussi une suite
La jolie araignée. Il va y avoir une suite dans le sens où, avec la peinture et tout qu'on va remettre. Donc, on ne sait pas encore trop quoi comme peinture qu'on va mettre, mais on veut peut-être un marron clair, vous voyez, un truc comme ça. Du coup, à voir. Mais il y aura bien la vidéo sur ça. Alors, je ne sais pas si je vais refaire une vidéo par contre sur les vacances de cette année. Mais il y a une possibilité. Alors là, on a aussi le chihuahua qui est blessé à sa patte. Montre. Voilà, je lui ai fait un petit bandage. En fait, c'est une griffe qui est cassée. Elle est sortie et du coup, bah voilà. Elle s'est fait bobo. Elle s'est fait bobo. Donc là, j'espère que ça va. Donc voilà. Là, elle se repose dans son petit panier, comme à la coutume. Du coup, là, on approche de 20h. Ce que je vais faire, enfin, ce qu'on va faire, parce que ma fille, on essaye de l'éduquer aussi au rangement des tâches, hein, et comme là, elle a foutu un souk pas possible, on va commencer à ranger en fait la maison. Ça va nous prendre peut-être une dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes, si on est fort. Et du coup, avant que je la prépare pour son dodo du soir. Du moins, on essaye d'avoir un rythme soutenu dans les horaires. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que là, comme elle refait des siestes, parce qu'à un moment, on a dû couper les siestes, et là, elle refait des siestes. Alors, du coup, le soir, c'est plus compliqué. Genre, là, elle refaisait des dodos d'une heure. Du coup, le soir, on avait des difficultés à l'endormir. Elle mettait plus d'une heure ou des trucs comme ça. Donc, du coup, voilà, c'est un peu short. Mais maintenant, c'est 20 minutes, 15 minutes. Qu'elle se rendort, ça dépend. Donc là, on a bien joué. J'espère que ça l'a bien fatigué. Mais il y en a partout à aller jouer, regardez. Jusque dessus, sous le meuble. Elle en a mis partout. Ah, mais après, j'y pense, si vous avez aussi des sujets que vous voudriez que j'aborde lors des voiture logs, ou même comme ça ici, n'hésitez surtout pas à me les dire. Comme ça, moi, je les note. Et puis comme ça, bah voilà, on peut traiter les sujets. Quand j'y pense. Mais du coup, ben là déjà un sujet de parler de, par exemple, ça fait, on avait emménagé en février 2020, ça fait 1 an et 3 mois qu'on est là, et 4 mois, ça fait 1 an et 4 mois, bon, 1 mois près. Et du coup, peut-être qu'un sujet à aborder qui serait pas mal, donc une vidéo annexe à côté. Ça parlerait par exemple si, de notre ressenti sur la maison, à combien ça nous revient. Vous voyez, des sujets comme ça peut être intéressant, je pense. Et je pense que je vais me lancer dans des trucs comme ça maintenant. Donc voilà. J'espère que vous apprécierez ce genre de contenu. Voilà, je voulais vous informer dans un mini vlog en fait, en gros. Parce que voilà, donc à partir de demain, on va commencer une série de tournage. Tu dis au revoir à la caméra? Voilà. Voilà mes petits gens, on va se quitter ici sous ce carnage. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, mais ça, c'est parce que c'est les cheveux, c'est la poupée, elle n'est pas de très bonne qualité. Elle a gagné une pêche au canard, alors du coup. C'est des trucs pas tip-top. Vous savez qu'ils payent 60 centimes et toi, tu payes 5 euros pour la pêche au canard. Du coup, je trouve que 5 euros une pêche au canard, ça fait cher, non? Vous trouvez pas? Parce que moi, j'ai trouvé que ça faisait cher. À une époque, c'était même pas 10 francs. Enfin, une pêche au canard, quand c'était au franc. Enfin, je trouve que ça a bien augmenté parce que 5 euros, ça fait quoi? Ça fait 32 francs ou 35 francs, un truc comme ça. Ce qui fait que c'est pour juste pêcher 5 canards, enfin 10 canards. Je trouve que c'est un peu cher, non? Je sais pas si c'est la crise Covid qui a fait ça, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté et que maintenant c'est affolant, que ce soit Intermarché, Lidl. Quand tu vas faire tes courses, tu ressors, nous on ressort avec des 170 euros, 175 euros et des fois, putain, t'es là, mais attends, on n'a rien acheté. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, vous, de ce qui se passe là. Est-ce que vous aussi, vous croyez, enfin, vous avez cette impression que tout a augmenté? Moi, clairement, j'ai cette impression. Elle veut un truc, Elsa. Enfin voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et j'espère que vous apprécierez les suites qui vont arriver. N'hésitez surtout pas à liker, vous abonner et activer la cloche, hein.
Surtout la cloche, parce que des fois c'est la cloche qui... Enfin, YouTube fait que vous n'avez pas la notification, parce que voilà, c'est un système à la con encore. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Allez, ciao! C'est moi le roi, Qu'est-ce que vous faites?